Bonjour ou bonsoir, Maître Daem Kaya, maître en arts de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu la question de, alors, pas mal de questions sur le sujet, mais j'ai décidé de répondre ce soir à Patricia. Voilà. Patricia est une jeune femme qui m'a posé une question, à mon sens, que je trouve vachement importante. Elle m'a demandé si le communautarisme était une mauvaise chose. Et en tant que d'origine africaine et indienne et en tant que Beïda, est-ce que à l'époque comment était fait le communautarisme et est-ce que il y a un moyen aujourd'hui si le communautarisme tel qu'il est fait aujourd'hui s'il est mal fait, est-ce qu'il y a un moyen de revenir en arrière? Bon, Patricia, déjà merci pour ta question, voilà. Le communautarisme, en général, on va vous dire que c'est une mauvaise chose. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, dans les peuples ancestraux, le communautarisme, c'était pas le mot qu'on donnait, mais il y avait une union d'un peuple face à tous les événements de la vie. Il y avait une entraide qui était très forte. Tout le monde s'aidait à gérer tout. Et surtout, surtout, on évitait de faire n'importe quoi. Certaines personnes vont vous dire que il ne faut pas de communautarisme, par exemple en France, parce que la France est une et indivisible. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a des peuples communautaristes en France. Et vous le voyez même dans la politique, hein, il y a les groupes gros gauche et droite. Hein, ils vont vous dire qu'ils manœuvrent tous pour la France, mais il faut voir comment ils se battent. Donc, moi je trouve par contre, hein, pour moi qui suis Beïda, d'origine indienne et africaine, je trouve que il y a plus de communautarisme chez les peuples indiens. Il y a un communautarisme profond chez les Beïdas, mais malheureusement il n'y a pas de communautarisme chez les Noirs, surtout de France. C'est ce qu'on peut essayer de vous faire croire, mais c'est pas vrai. Hein? Les personnes d'origine africaine en France ne sont très de pas. Très, très peu. Et c'est ça l'origine de pas mal de problèmes qu'ils ont. Ça, je peux vous le dire honnêtement. Voilà. Donc, le communautarisme doit être conscient. Comment se pratique l'entraide dans la communauté? Si l'un d'entre vous a un projet, tout le monde s'y met. Ce n'est pas une aide comme ça gratuite pour rien, non. Si on doit investir pour l'aider, on investit. Si c'est pour une entreprise, si c'est pour un magasin, si c'est pour quoi que ce soit, on investit tous ensemble. On l'aide à commencer, à produire, à développer son entreprise, à développer sa société, à développer son magasin, son shop, et tout le reste. Et quand la personne commence à gagner de l'argent, c'est-à-dire que il arrive au niveau, au moment où il a des bénéfices, il commence à rendre à la communauté l'argent de façon à ce que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de l'aide qu'on lui a apportée. Voilà. Quand quelqu'un, l'un d'entre vous, a un magasin, vous êtes en priorité dans ce magasin. Quand il y a un problème, si la personne a tort à l'extérieur, que quelqu'un dans votre communauté est attaqué à l'extérieur, la première chose quand la personne revient au milieu de vous, c'est de vous dire la vérité. Elle n'a pas le droit de vous mentir. Quand elle vous dit la vérité et que vous décidez de la défendre parce que c'est une personne de votre communauté, vous la défendez en sachant qu'elle a tort ou qu'elle a raison. Voilà. Donc, il se trouve donc malheureusement dans ce qu'on appelle la communauté afro-française, je vais l'appeler comme ça, il n'y a pas ce que j'appelle le bon communautarisme. Et quand on parle de communautarisme, on a tendance à parler
de violence, d'attaque, de plein de choses qui ne cadrent pas du tout avec la façon dont nos ancêtres faisaient les choses. Donc, moi, personnellement, j'appelle les personnes qui veulent vraiment construire une communauté à être honnêtes, à être focalisées et à comprendre qu'il est important d'être ensemble dans les mêmes projets. Il est important de se dire la vérité. Et il est surtout important de faire un bloc face à l'extérieur, surtout quand on est attaqué. Chez nous, les Béidas, il n'y a jamais eu de Béida qui ait trahi les autres Béidas, ça ne s'est jamais produit. On est communautariste, vraiment. C'est-à-dire que on achète dans les magasins Béidas. Ça nous arrive d'acheter ailleurs, mais très très peu. Les Béidas parfois nous dirigent vers des magasins de gens qui ne sont pas Béidas, mais apprentis Béidas. Et ce sont des gens, on sait, qui font bien les choses, qui font attention à ne pas faire du mal autour d'eux, que ce soit par la nourriture. Voilà, les plantations respectent, la façon de planter respecte certaines réalité, certaines règles, la façon, même la vente, ce n'est pas gagner de l'argent uniquement pour gagner de l'argent, non. On cherche à faire évoluer la communauté tout en faisant en sorte que celui qui est l'auteur, celui qui est vendeur, celui qui a le magasin, gagne aussi sa vie parce que chez les Béidas, on ne supporte pas les pleurnichards. On ne supporte pas les gens qui trouvent des raisons pour ne pas réussir. Et on veut des bosseurs. Et on n'a que des bosseurs. Donc nous avons des règles, des principes pour que la communauté reste soudée. Et en plus de 150 000 ans, ça n'a jamais failli. C'est toujours aussi actuel. Donc j'appelle vraiment toutes les personnes qui veulent, surtout des personnes qui sont d'origine africaine, voilà. Si vous voulez créer une communauté, il va falloir revoir certaines choses. Mais le communautarisme, c'est pas une mauvaise chose. Il faut être conscient, il faut être mature, il faut être adulte. Et le communautarisme, ce n'est pas d'insulter les autres, d'attaquer les autres, de vilipender les croyances ou alors la vision des choses des autres, les principes des autres, non. Nous, les Béidas, par exemple, qui sont en France, nous intégrons complètement la vision française tout en gardant l'unicité de notre communauté sans faille. On ne laisse rien infiltrer qui pourrait causer des problèmes à l'intérieur de cette communauté et on respecte les règles. Et si on se fait attaquer, nous, les Béidas, on est vraiment différents des gens d'origine africaine qui vivent en France. Quand vous attaquez un Béida, vous êtes en train d'attaquer tous les Béidas. Nous, les Béidas, on ne parle pas beaucoup, mais je peux vous dire que quand vous attaquez un Béida, on va vous attaquer. On va vous attaquer tellement durement que franchement, vous n'allez plus jamais porter atteinte à un seul Béida. Mais on respecte les règles des Béidas, on respecte les principes de Béidas. Il n'y a aucun d'entre nous qui trouve que c'est trop compliqué, que c'est trop dur, qu'on voudrait faire autrement et tout le reste, ça n'arrive pas. Donc voilà, le communautarisme n'est pas mauvais, mais il faut être conscient, mature, et il faut respecter certains principes. Donc voilà, Patricia, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous souhaite vraiment de vous intégrer dans une communauté très forte, et puis de pouvoir vous entraider entre vous, et surtout, surtout, d'être très très fort et de ne pas vous trahir, de vraiment vous faire grandir dans votre communauté. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et voilà, je vous dis à bientôt à tous. C'était Maître Dame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.